Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Pendant 10 ans, David Schwimmer a prêté ses traits au personnage de Rose dans Friends. Il a également interprété Robert Kardashian dans The People vs O.J. Simpson. Et il a prêté sa voix à la girafe Melman dans Madagascar. Côté cœur, David Schwimmer a été en couple avec l'actrice et chanteuse Nathalie Imbruglia de 1996 à 1997. Avant de fréquenter l'actrice Carla Alapont de 2002 à 2003, puis la chanteuse Tina Barrett en 2004. En 2007, le partenaire à l'écran de Jennifer Aniston est tombé amoureux de la photographe Zoé Buchman. De 19 ans sa cadette. Ils se sont fiancés en mars 2010 et se sont mariés le 4 juin de la même année. Ils ont une fille ensemble, Chloé Buchman Schwimmer, née le 8 mai 2011. Le couple s'est séparé en avril 2017. Âgée de 11 ans, Chloé Buchman Schwimmer est une adolescente très engagée. La preuve en 2020. En plein pendant le mouvement Black Lives Matter, la jeune fille avait décidé de se raser le crâne à tout juste 9 ans, en signe de soutien. Adieu sa longue chevelure brune, la fillette n'avait pas hésité une seconde avant d'arborer un crâne tout lisse. Un geste qui avait été soutenu par Zoé Buchman, qui s'était emparée d'une tondeuse pour raser la chevelure de sa fille. Le monde est en train de dire, brûle tout et reconstruit et les petits sont à l'écoute. Je vois comment les enfants défient aujourd'hui les normes et les standards d'une manière que nous ne faisions pas. Et ce, parmi d'autres choses, me donne de l'espoir, écrivait l'ex-compagne de David Schwimmer sur Instagram. En 2018, l'interprète de Rose avait expliqué l'importance de soutenir sa fille dans ses revendications. Son corps, ses cheveux, c'est à elle. Ça lui appartient. Ça lui donne le courage et la confiance de parler haut et fort. C'est important de lui inculquer ce type de confiance dès son plus jeune âge. Affirmait l'acteur dans l'émission Mejinkali Today. Une famille unie et engagée.